Mesdames et messieurs, bien chers téléspectateurs de Business 24 Africa, votre émission L'invité de l'économie reçoit aujourd'hui pour vous depuis Cotonou le docteur Bertin Kouaouvi. Il est psychologue de la communication, il est membre du collège des experts du Forum économique Europe-Papazi, conseiller à l'image du président équato-guinéen Obiang Nguema Mbasogo. Docteur Kouaouvi, merci de nous recevoir chez vous. C'est moi qui vous remercie de l'insignia que vous me faites. Je vais rendre visite. Nous allons échanger pendant 26 minutes sur les défis de l'économie béninoise. Quand on parle d'économie d'un pays ou d'une nation, à quoi fait-on allusion? Alors, je voudrais qu'il me soit d'abord permis de faire un coucou à ceux qui me suivent à cet instant T. Et après cela, je vais revenir à vous. Voyez-vous, allons dans la sémantique des mots. Qu'est-ce qu'une économie? Ah, c'est la question, n'est-ce pas? Absolument. Ok. Une économie est une science sociale qui a pour fonction de prendre les ressources d'une nation, d'une communauté, d'un village pour satisfaire les besoins de ce village, de cette communauté, de ce pays ou d'une nation, cette nation-là. Il se trouve très souvent, hélas, peut-être même trop souvent, que les besoins soient plus nombreux que les ressources. Ainsi donc, se met en place une activité, une production si vous voulez. Alors pour pouvoir satisfaire justement les besoins qui n'avaient pas trouvé ressources. Alors, dans une production, eh bien, si la production n'est pas justifiée par la nécessité de satisfaire vos besoins, eh bien cette production-là n'est pas économique. Ainsi donc, pour qu'on parle d'économie, ben, il faudrait que ce soit l'activité de la communauté, de la nation, du pays qui satisfasse les besoins de ce pays-là, de cette communauté-là. Je voudrais aller de façon basique aux 5 besoins fondamentaux. Se nourrir, se loger, Se loger, se soigner, se soigner, se vêtir, s'éduquer. Et s'éduquer. Eh bien, ces 5 besoins fondamentaux doivent être satisfaits par l'activité nationale. Sinon, pour parler, utiliser un peu le concept des avantages comparatifs, au moins 3 de ces besoins-là doivent être satisfaits par vos propres actions, vos propres activités, votre propre production. Sinon, vous n'êtes pas en économie. Alors, ceci étant dit, comment se porte l'économie béninoise ou l'économie africaine parce que nous sommes en Afrique, nous parlons à plus à des millions de téléspectateurs qui nous suivent et qui savent que nous sommes en Afrique. Alors, je voudrais déjà vous surprendre pour dire qu'il n'y a pas une économie africaine. Il y a des économies, enfin, ce qu'on peut appeler des économies africaines. Et ça veut dire que le Bénin aussi n'a pas d'économie. Je ne voudrais pas aller au Bénin déjà, mais je voudrais dire déjà les 14 pays de la zone franc. Je voudrais qu'on s'attelle à ceux-là, puisque nous parlons français, n'ont pas d'économie. Je vais prendre le cas de la Côte d'Ivoire, qui mange, qui produit cacao, Oui. mais ne mange pas chocolat. Dites-moi franchement, que perdrait la Côte d'Ivoire de façon intrinsèque? Ben, à ne pas produire du cacao. Alors pourquoi vous parlez d'abord de la Côte d'Ivoire? Pourquoi vous ne commencez pas à parler du Bénin? Parce que Bon, vous êtes béninois. non, je sais que vous parlez, votre chaîne est suivie par les Ivoiriens, les Togolais, donc vous voudrez faire œuvre utile. Oui. Maintenant, si vous voulez qu'on s'en tienne seulement au Bénin, eh bien, revenons au Bénin. Je voudrais prendre le Bénin qui n'a pas d'économie. Le Bénin n'a pas d'économie en ceci que l'État béninois fait la promotion de quoi? De la production du coton. Même le mouton ne vous mange pas du coton. Et nous vendons ce coton-là, mais pour faire quoi? Pour aller acheter du poulet, du riz, ben de l'huile, et j'en oublie. Du poisson. Les Béninois ne produisent pas de la volaille. Hélas, les Béninois produisent de la volaille, oui, mais ils n'en produisent plus assez de nos jours. Et si vous êtes Béninois, si vous regardez sur le marché, nous avons du poulet importé d'ailleurs. Je ne vous apprends rien. Vous posez la question à votre épouse ou bien regardez dans votre plat. C'est du poulet venu d'ailleurs. Le riz, ça vient d'ailleurs. Le lait, ça vient d'ailleurs. Mais ma foi, à chaque fois que vous asseyez et que vous mangez, et que ce que vous mangez n'est pas la production de l'effort national, ben, vous êtes en train de faire la promotion du chômage chez vous et l'exportation du potentiel
emploi chez vous et l'importation du chômage. Voilà. Alors, docteur Kouvi, vous avez, vous, certainement des stratégies à mettre en œuvre pour que l'économie du Bénin aille de l'avant, pour qu'il y ait essor de l'économie béninoise. Alors, proposez-nous-en quelques-unes. Alors, je vous dis que le Bénin n'a pas d'économie. Par contre... Vous le redites. Oui, je vous le redis, le Bénin n'a pas d'économie. Maintenant, nous donnons la tâche de construire cette économie-là. Ça voudrait dire quoi? Quand le Bénin nous sera confié par la grâce de Dieu et des mains de nos ancêtres, nous allons faire en sorte que ce que nous mangeons soit de notre activité. Et de ce point de vue, nous avons découvert un Béninois qui produit déjà, ça c'est du poulet fumé, partie du poulet produit au Bénin. Ça, c'est une activité économique. J'espère que la réalisation fera bien de nous bien montrer ça. Ben voyez-vous. Oui. Alors, ça c'est du poulet produit ici. Eh bien, ça par exemple, c'est du savon produit ici. Ça, c'est de la tomate produit au Bénin. Évidemment, il faut nuancer quand on dit produit au Bénin. Parce que ça dit, c'est du double concentré. Eh bien, l'emballage, la mise en emballage est faite ici. Et alors, c'est une activité économique. Pour vous dire, le riz, ce riz, voilà, regardez-moi ça. Ça n'a rien à envier au riz parfumé qu'on nous ramène de je ne sais où. Alors, pour vous dire, si nous voulons réellement que le Bénin se développe, si nous voulons réellement que nos jeunes aient de l'emploi, si nous voulons réellement que nous cessions d'avoir pour un poste qu'on offre 1100 jeunes qui se présentent, nous n'avons pas le choix que de produire chez nous le riz que nous mangeons, le poulet que nous mangeons, et ma foi, le poisson que nous mangeons, le savon que nous utilisons, la tomate, l'huile, et j'en oublie. Parce qu'en réalité, quel est le problème? À chaque fois qu'une maman va au marché et qu'elle ne se préoccupe pas d'acheter ce qui est produit chez elle, elle empêche son fils d'avoir de l'emploi. C'est aussi simple que cela. Le drame de nos pays, c'est que nous n'avons pas compris réellement que personne d'autre ne viendra faire notre bonheur à notre place. Dites-moi, on ne fait pas ordinateur, on ne fait pas téléphone. Nous pouvons-nous pas produire du riz? Est-ce qu'on ne peut pas produire de la tomate ici? Est-ce qu'on ne peut pas faire de l'élevage de volailles ici? Mais venez de parler tout à l'heure. Vous avez dit que le Haut-Bénin produit du coton. Est-ce que le Bénin n'exporte pas ce coton pour faire entrer des devises? Très bien. Voici qui me réjouit. Le drame, c'est que justement, nous, le Bénin exporte son coton. Et qu'est-ce qu'il fait des devises qui entrent au Bénin? Mais avec ces devises-là, mais on achète du poulet qu'on peut produire ici. On achète du riz qu'on peut produire ici. On achète de la tomate qu'on peut produire ici. De l'huile qu'on peut produire ici. À la fin, vous vous rendez compte qu'en réalité, nous dépensons plus d'argent à importer de quoi manger qu'on en gagne à vendre notre coton. Mais écoutez, faisons ce que nous allons manger, c'est aussi simple que cela. D'abord, le coton détruit l'environnement. Nos terres se meurent, si vous ne le savez pas. Ah, je ne sais pas. Ah ben alors, ça a un coût environnemental. Très bientôt, nos jeunes soeurs feront la ménopause à 14 ans, à 15 ans, à cause des pesticides. Le coton, avec moi, terminato. Nous allons, l'État béninois, sous l'égide de Corvi Bertin, si les Béninois le voulaient... Est-ce que cela veut dire que vous avez des ambitions présidentielles? Ah, je n'ai pas encore dit ça, mais ça, à m'entendre parler... Vous deviez plutôt me solliciter, me susciter à être justement président. Bon, tout à l'heure, vous avez parlé de la question de l'emploi, la question du chômage. Alors, je voulais vous demander si vous pensez que le chômage serait alors une histoire à raconter, si vraiment vous confiez la destinée du Bénin. Si le Bénin m'était confié, je vais vous surprendre déjà d'une chose. Ce n'est pas le président qui crée l'emploi. Vous n'entendrez jamais... Oh, le président Obama a créé tel emploi. Vous n'entendrez jamais le président chinois a créé tel emploi. Vous n'entendrez jamais le président français a créé tel emploi. Si vous trouvez un économiste
un politicien qui va vous dire je vais créer tel nombre d'emplois, versez-lui de l'huile chaude sur la tête ou bien de l'eau chaude. C'est un menteur. Mais par contre, laissez-moi. S'il vous dit je vais construire une économie ou alors entretenir l'économie, là, oui. Parce qu'en fait, c'est l'économie qui est la machine à créer l'emploi et l'emploi est l'instrument à créer le développement. Ainsi donc, Corvi Bertin, président, par la grâce de Dieu et des mains de nos ancêtres, et par votre suffrage, j'espère l'avoir, eh bien, je vais faire en sorte que le Bénin qui n'a pas d'économie est une économie. Et c'est donc cette économie-là qui va créer l'emploi. Parce qu'au fait, le riz que vous mangez ici, ben c'est de l'emploi qui crée le riz. C'est le travail d'un autre qui produit le riz. Si on produit ce riz ici, c'est de l'emploi qu'on crée ici. Le savon que vous utilisez pour vous laver, qui vient d'ailleurs, ce savon est produit ici. Ah ben c'est de l'emploi le savon, ce n'est pas la manne qui descend. Le poulet que vous mangez et qui vient d'ailleurs, c'est bien du travail. On en est même venu à importer les œufs. Je peux vous dire que parfois j'ai honte d'être dans un pays où on ne peut pas produire son œuf. Et nous nous bombons le torse, on dit non, nous avons des économistes, non, on a des financiers, on a des banquiers. C'est le bon sens qui gère un pays. Et ce bon sens veut que nous produisions notre huile, c'est-à-dire faire de l'arachide et en faire de l'huile. Le palmier à huile, en faire de l'huile. Le beurre de karité, pourquoi pas. Que nous produisions notre niébé, notre mil, notre maïs, notre riz, notre soja, notre haricot ici, notre manioc, notre igname ici. Et fabriquions le savon pour notre entretien. Mieux, je voudrais vous dire une chose. Regardez aujourd'hui. Vous verrez que le programme éducatif au Bénin est proposé, même imposé par d'autres. Comment voulez-vous que nos enfants ne soient pas Guin ou PD? Eh bien, nous allons faire en sorte que notre programme reflète notre réalité. Voilà, je veux construire une économie pour le Bénin et l'économie va créer l'emploi. Mais je vais vous rassurer d'une chose, si le Bénin a une économie, nous aurons au plus 4, 3 à 5% de chômage. Si quelqu'un vient vous dire, il y aura le plein emploi, il n'y aura jamais de chômage, c'est un menteur aussi. Car ce n'est pas possible. Il y aura toujours une économie, a toujours besoin d'un petit taux de chômage, ce qui permet à d'autres de pouvoir changer d'emploi, ce qui permet à l'employé de changer celui qui ne travaille pas bien. Docteur Corvi, à vous entendre, nous avons remarqué que vous avez de très bonnes ambitions. Alors, et pour le Bénin, et pour l'Afrique d'ailleurs, vous, en tant que docteur Corvi, qu'est-ce que vous avez déjà fait de façon concrète dans le passé ou dans le présent, dans ce présent? Qu'est-ce que faites-vous pour ce Bénin? Voyez-vous, moi j'ai eu l'insigne honneur de naître pauvre. J'ai eu la chance d'avoir été vendeur de yombo, antimoine comme on dit. Les femmes savent ce que c'est, parce que c'est quand la femme vieillit qu'elle peut paraître plus jeune. Donc moi, j'ai profité de ceci pour le noircir les cheveux. J'étais en sixième. Eh bien, j'ai été jardinier. J'ai été meunier. J'ai été boulanger. Et j'ai été zémillant. Et aujourd'hui... C'est pourquoi vous avez été tout ça? Ben, parce que je vous ai dit, j'ai eu la chance de naître démuni. Extrêmement pauvre. J'ai étudié grâce à la générosité de Adoweto Yenoukoumé Salomon. Et je me suis promis... Il vit encore ce monsieur. Il est mort depuis. Personne, oui. Mais celui qui est mort n'est pas mort parce que, enfin, ça c'est, vous n'allez pas comprendre ce concept. Alors, pour vous dire, j'ai étudié grâce à la générosité de quelqu'un d'autre. Et je me suis engagé, moi, à aider d'autres aussi à étudier. Ainsi, nous avons vu un panafricain, dont je vais taire le nom ici, qui nous a aidé à initier le programme Éducation pour tous. Ce qui fait que l'école, ce qui coûte, la formation universitaire qui coûte 600 000, est payée à peine à 105 000 francs. Nous avons convaincu, et ça je vais le dire, les autorités de Guinée équatoriale à installer une branche de la CCI Banque au Bénin, capital 10 milliards. Et quelle est la fonction de cette banque-là? C'est une banque de développement. Pour dire quoi?
Elle ne va pas financer la lettre de crédit pour importer riz, et poulet, cadavre, poisson, cadavre, savon, non. Mais elle, cette banque la finance, celui qui veut produire du riz ici, celui qui veut une unité de production de poulet ici, celui qui veut produire du savon ici. Bref, nous voulons financer l'économie, l'activité qui est de la valeur intrinsèque pour les Béninois. Nous l'avons fait. Nous avons naturellement aussi installé ici une usine parce que nous voulons le leadership par l'exemple. Nous avons installé d'usines ici qui créent de la plus-value. Je voudrais que nous fassions attention. Le rôle d'un candidat, ce n'est pas de faire ce que je dis là. Je l'ai fait parce qu'il a plu à l'Éternel Dieu, au banc de nos ancêtres, de mettre en face d'un président qui est généreux et qui a le sang du panafricanisme et qui en a les moyens. C'est tout. Ce n'est pas ce qui me qualifie à être un bon président. Hein. C'est ma vision qui fait de moi le prochain président. Ben Marc Blacon, vous savez, je voudrais bien parler ma langue. Ceci est, nous sommes le prochain président. Alors, vous étiez plutôt de la diaspora et comme beaucoup d'autres Béninois, ces Béninois sont encore à l'extérieur. Alors, pour vous, quelle devrait être la contribution ou l'apport de ces Béninois dans le développement de la nation béninoise? Est-ce que vous savez que c'est quand on n'est pas chez soi qu'on l'aime encore davantage? Évidemment, quand on y a passé du temps, quand on y a passé son enfance. Vous savez, être Béninois, ce n'est pas la nationalité qui fait de vous un Béninois. C'est le lien avec les Béninois. Moi, j'ai l'avantage de parler 9 langues au Bénin. Je parle Bariba, Tendi, Gon, Mina, Yoruba, Fon, Nago. Et j'en oublie, je parle français, anglais et espagnol. J'ai grandi au Bénin. Je suis initié au culte vaudou, à l'islam, au christianisme. Et tout ça pour vous seul? Ben, parce que je veux comprendre le Béninois dans son essence. Vous ne pouvez pas comprendre, connaître un peuple si vous ne connaissez pas ce qui lui fait peur. Et ce qui lui fait peur est dans sa croyance. Alors donc, oui, le Béninois de la diaspora doit penser à son pays. Parce qu'on n'est heureux que chez soi. Ceci étant dit, en ce qui me concerne, j'ai jamais, ces 20 dernières années, jamais été loin du Bénin plus de 2 à 3 mois d'affilée. Et c'est jamais, même quand les gens disent, mais il est à l'étranger, mais comment il parle? Bon, je dis, mais vous n'avez rien compris. Je suis toujours revenu. Puisque ma famille est ici, j'aime le Bénin. Depuis 1996, je me prépare à comprendre pourquoi, malgré tous les efforts de nos présidents, ben, nous soyons toujours à notre pauvreté endémique. Pourquoi, malgré tous les efforts, ben, il n'y a pas d'emploi. Et je me préoccupais de cela et j'ai fini par me rendre compte que c'est la structuration, la motivation de l'activité au Bénin qui n'est pas économique. Ne travaillons pas pour ce qui a de la valeur intrinsèque pour nous-mêmes. Nous travaillons pour ce qui a de la valeur pour d'autres personnes. Donc, le Béninois de l'étranger, eh bien, devrait, ma foi, toujours continuer à aimer son pays, à soutenir son pays. Mais ce n'est pas aussi simple que ça. Nombreux sont les Béninois de l'étranger qui sont rentrés, mais qui sont acculturés. Ils n'arrivent plus réellement à nous comprendre. D'ailleurs, nous avons un pays où les gens sont paresseux. Ils ont le culte et le mythe du miracle. Alors que le seul miracle que je connais, c'est de se lever le matin et de faire sa tâche quotidienne. Or, les Béninois aujourd'hui en sont à croire qu'on peut dormir et devenir riche. Alors, celui qui vient de l'étranger, qui a de l'expérience et le sang du travail, a du mal à se faire comprendre. Quand il crée une entreprise ici, le jeune qu'il vient à peine d'engager croit que du jour au lendemain, il doit occuper lui sa place. Voilà. Donc, il y a un travail psychologique à faire. Déjà, il faut un pont entre le Béninois de l'extérieur et le Béninois de l'intérieur. Mais, moi, puisque vous me sollicitez, je voudrais demander à tous les Béninois de la diaspora de rentrer parce que très, très bientôt, nous avons encore seulement pour 8 mois. Mais ma foi, qu'ils viennent, nous allons transformer ce pays parce que nous n'avons pas le choix. Docteur Kaobi, beaucoup de téléspectateurs nous suivent et nous sommes une chaîne qui ne parle que d'économie et de développement. Dites-nous, quel est le rôle d'un président dans la croissance de l'économie de son pays, de sa patrie? Alors, au fait de la redondance, vous reprenez la même question. Quel serait votre rôle? Oui, alors, mon rôle à moi, alors, donc c'est autant pour moi, c'est moi qui n'avais pas réellement terminé.
que vous voulez dire. Le rôle du président, ma foi, pour un pays comme le Bénin, c'est de faire en sorte que nous construisions les fondamentaux d'une économie. Je voudrais, je sais là où vous voulez en venir. Je parle de la promotion de l'agriculture. D'accord. L'agriculture vivrière. Et de ce point de vue, nous, il faut identifier les zones agropédologiques. Il faut identifier les zones où on peut produire chaque produit. Est-ce que vous savez que aujourd'hui, on dit au Bénin que la pluviométrie fait qu'on ne peut plus faire du palmier à huile tel et avoir les mêmes résultats que ce qu'on avait et on a en Malaisie aujourd'hui. Je dis c'est faux. Il suffit seulement de choisir les zones. On dit l'histoire nous apprend que l'Égypte est le don du Nil. Je vous dis, le Bénin aussi est le don de l'Ouémé. Le Bénin est le don du Koufo. Le Bénin est le don du Mono. Ce sont des fleuves. Très bien. Nous avons fait l'agriculture le long de nos cours d'eau. Je vais vous dire une chose, peut-être que vous ne le savez pas. Quand vous prenez le lit visible d'un cours d'eau, au fait, le vrai lit est au moins encore, va jusqu'à 1 km du bord de ce cours d'eau-là. Alors, si vous faites des plantations, eh bien, à 10 mètres, non, à 20 mètres, à 100 mètres, même jusqu'à 1 km, vous avez de l'eau directement que la racine peut puiser par terre. Et bien, nous avons décidé justement d'aménager des zones agricoles le long de nos cours d'eau. Attention, il y a d'autres zones, ceux qui ne sont pas le long des cours d'eau aussi, nous allons les aider à faire ceci. Nous allons mécaniser l'agriculture. Nous avons même décidé, pour faire, de faire un contingent militaire, mais dont le rôle et la fonction serait, ma foi, de faire en sorte que la sécurité alimentaire soit garantie. Imaginons un instant, mais que l'étranger aujourd'hui décide, pour des raisons que je ne m'explique pas, que je ne peux pas imaginer, mais de nous mettre un embargo sur la nourriture qui vient d'ailleurs. Mais on fait comment? Le riz, ça vient d'ailleurs. Le poulet, d'ailleurs. Le poisson, d'ailleurs. L'huile, ça nous vient d'ailleurs. Ça veut dire que la question fondamentale est l'autosuffisance alimentaire. Bon, j'aime pas les slogans. Ça se dit depuis 75 ans, on est toujours là. J'aurais pu vous parler de révolution verte. J'aime pas les slogans. J'aime l'action. Je vais faire en sorte que l'État fasse la promotion de l'agriculture. De l'agriculture vivrière, c'est-à-dire tout l'effort que le président Yahya Boni aujourd'hui, le président de mon pays, le Bénin, puisque je suis béninois, fait à promouvoir le coton. Je vais tripler cet effort-là à promouvoir la production de riz, de poulet dans l'élevage, de l'olacode, c'est-à-dire l'agouti, on dit, du lapin, du bœuf, le bœuf somba par exemple, le riz de Dévé par exemple, le riz de Bukumbé, le riz de Malanville, ce sont des zones géographiques du Bénin, le riz de la vallée et de l'Ouémé, ainsi de suite, le haricot, l'arachide. Est-ce que vous savez qu'on avait une zone, on a une zone aujourd'hui ici qu'on appelle Dassa, mais réputée entre temps dans le clou-clou de Dassa et ce qui donnait l'huile d'arachide. Aujourd'hui on n'en trouve plus. Tout coton a tué ce pays. Mais je voudrais vous dire une chose, parce que beaucoup vont venir dire, mais ils vont trouver les devises d'où pour payer leurs dettes. Mais est-ce que vous savez que les devises qu'on reçoit de la production du coton sont moins que les devises qu'on utilise dans l'importance de la nourriture? Ça voudrait dire qu'il y a un gap. Et ce gap-là vient de ce que le tourisme donne, de ce que le visiteur vient ici, de ce que le Ibo, enfin le Nigeria qui vient au Bénin, amène. Nous sommes le 37e État sur le plan économique du Nigeria. Nous allons faire en sorte que nous produisions assez pour les Béninois. Et quand nous avons fini de bien manger, le surplus est vendu sur le Nigeria. C'est ceux-là nos clients naturels. Et pour un pays, ma foi, de 10 millions de population, mais avoir 10 millions de consommateurs au Nigeria, c'est largement, quelqu'un dirait, c'est suffisamment suffisant. Il y a une chose que nous allons faire, parce que l'économie c'est un tout. Celui qui parle économie parle politique. Vous ne vous en rendez pas compte. Les deux sont liés. Quand ce sont les politiques qui décident de la politique économique. Alors, je vais vous dire une chose. Kovi Bertin, président du Bénin, par la grâce de Dieu, des mains de nos ancêtres, le gouvernement béninois n'aura pas plus de 16 ministères. Je ne m'explique pas qu'un pays aussi pauvre que nous, mais est un gouvernement qui compte 28 membres.
Alors, si vous étiez au pouvoir, 16 ministres, quels sont ces ministres-là? Est-ce qu'on peut vraiment avoir une... Alors, je n'irai pas dans les détails, mais je vais vous donner seulement essentiellement 4. Oui. Eh bien, le ministre de l'Éducation nationale. Parce que l'éducation détermine le Béninois de demain. L'éducation nationale. Je ne parle pas de l'enseignement, hein. L'éducation nationale. Et ce sera une femme. Ce sont les femmes qui éduquent dans nos maisons. Elles vont éduquer la nation. Mais beaucoup d'autres présidents avant vous l'ont déjà dit. Nous allons confier la gestion de certains ministères, des ministères stratégiques aux femmes, mais ça n'a jamais été fait. Dieu merci que je ne suis pas seul. Vous devez me souffrir, de me croire. Vous n'avez pas le choix. Alors je vous dis, moi, eh bien, le ministère de l'Éducation nationale, une femme. Le ministère de la Santé, une femme. Parce que je vais vous dire pourquoi. La compassion, c'est ça qui permet de comprendre le secteur de la santé. Et les femmes en ont à vendre. Le ministère de l'économie, planification, budget, finance, ce sera un seul ministre, toujours une femme. Et je vais vous donner mes raisons. Maintenant, il y a d'autres pans qu'on ne va pas dire ici. Mais il y a le ministère de l'énergie, le pétrole, le reste qui m'intéresse. Parce que sans énergie, on ne peut rien faire. Est-ce que vous savez que je n'en parle pas ici parce que cela va de soi quand un président dit... Oui, quand le président dit je veux construire une économie, c'est parce que le problème de l'énergie est déjà pris en compte. Mais on n'est pas ici pour venir déployer un programme, mon programme politique, on est venu ici pour parler économie. Donc je voudrais m'en tenir à cela. Alors, docteur, le temps qui nous est imparti tire inexorablement à sa fin. Quel est votre mot d'espoir pour notre Afrique? Alors, si un ancien meunier, un ancien Zemédian, un ancien boulanger peut être dans ma position, eh bien c'est que l'espoir est permis. Si les Béninois et les Africains peuvent être solidaires, aujourd'hui nous avons la CCI Bank, Banque de Guinée équatoriale qui est installée ici. Ce n'est pas des Équato-Guinéens qui travaillent dedans, ce sont des Béninois. Ben, si nous avons une usine à capitaux et Équato-Guinéens qui est installée ici, ce n'est pas des Équato-Guinéens qui travaillent dedans, ce sont des Béninois. Eh bien, si nous avons du riz, de DV dans le Koufo au Bénin, eh bien, qui a cette qualité-là? Ben, qu'on a ici, il y a l'espoir est permis. Si on a un Béninois banquier de formation, banquier professionnel, qui s'est mis à produire du poulet bicyclette fumé, qui met dans les supermarchés et qui en vend, l'espoir est permis. Si on a une Béninoise qui fabrique du savon de cette qualité-là, l'espoir est permis. Pour vous dire oui, je ne désespère pas. Je demande juste aux Africains de consommer ce qui est produit en Afrique. Je demande à nos chefs d'État de construire une économie de leur pays en faisant en sorte que la production, eh bien, qui est promue soit ce qui a de la valeur intrinsèque pour eux. Car pourquoi nous parlons souvent de détérioration des termes de l'échange? Ou bien on nous achète nos trucs trop moins chers. Nous n'avons rien compris. C'est pour l'autre que ça a une valeur. Mais pourquoi vous voulez qu'ils vous achètent ça à un bon prix? Mais le coton béninois, si on vous le laisse dans la main, vous n'en faites rien. Même votre mouton ne peut pas manger. Mais si c'est du riz, du maïs, si on ne vous l'achète pas, vous le mangez. Si en reste, vous faites manger votre mouton et vous allez vendre le mouton, donc vous transformez votre maïs en chair à mouton. Voilà, produisons ce qui a de la valeur intrinsèque pour nous. Et le problème est résolu. Je voudrais conclure en ce qui me concerne pour dire, président, le 6 avril 2016, je fais en sorte que le Bénin ait une économie. Et l'économie va produire des emplois. Et l'emploi va produire du développement. C'est aussi simple que cela. Je crois que c'est sur ce thème que nous allons mettre un point à notre échange de ce jour. Merci, chers téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.